Je m'appelle Evelyne Corso, je suis secrétaire de rédaction au journal La Montagne, à la locale depuis maintenant 30 ans. Secrétaire de rédaction, ou SR comme on le dit plus familièrement dans les rédactions, c'est celui qui met en fait, qui corrige, qui relie. Nous sommes en fait le dernier rempart de la rédaction, puisqu'après nous, le journal est publié. Comme tout journaliste, on est censé être un peu fort en orthographe, mais le secrétaire de rédaction, c'est pas que de l'orthographe, c'est aussi la syntaxe, c'est vérifier que chaque mot a bien sa place, et de le corriger, de reprendre, de tout reprendre, et de simplifier au maximum, parce qu'on s'adresse à tout le monde. Et il faut que ça, aussi bien, si quelqu'un n'est pas intéressé par le sport, faut rendre les choses attrayantes. Donc on va beaucoup travailler sur la titraille, donner envie aux gens de rentrer dans le texte. Et nous, notre métier, ça va être aussi de reprendre, de dire, ton attaque, elle n'est pas très bonne. Alors là, il faut être très, très diplomate et lui expliquer pourquoi on a envie de reprendre le texte. La mise en page, c'est tous les jours, on a ce qu'on appelle un chemin de fer avec un nombre de pages sur lesquels on doit faire rentrer tous les articles pour que le journal soit le plus lisible possible. Ce qu'on appelle hiérarchiser, c'est en fait mettre ce qui va être le plus important pour nous, ce qui doit être mieux mis en valeur, donc en tête de page. Et on hiérarchise comme ça. C'est aussi en fonction de l'information, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont essentielles et qui doivent être vues immédiatement.